Salut, je suis Sanassi Mbemba Kamara, écrivain, auteur, romancier, slameur, conteur, poète parolier, peintre, chanteur de mots, guinéen, sociologue de profession, ambassadeur de l'agence à la joie de la lecture, formation sur l'écriture et l'édition de Burkina Faso en Guinée, lauréat du prix du jeune écrivain guinéen, lauréat du prix Frage à choc, Bauprod Event, lauréat du prix littéraire Pablema, lauréat du prix de bravoure écrivain de l'année décerné par l'agence ARK Studio Réalisation Film International, agent littéraire, homme promoteur culturel. J'ai embrassé l'écriture dans un sens pour d'abord rayonner la culture guinéenne, mais aussi la culture africaine, pour retracer les réalités, les témoignages de nos anciens, surtout du mandingue ancestral, pour retracer ces réalités qui ont déjà tendance à disparaître. Alors c'est ces objectifs qui m'ont poussé à embrasser ma carrière d'écriture. Dans ce domaine, je veux devenir une image, un symbole, une référence pour la jeunesse consciente, pour la jeunesse de ma patrie, pour la jeunesse de ma belle nation Guinée, mais aussi en Afrique, mais partout dans le monde. Montrer à la jeunesse consciente que nous sommes l'espoir de toute une nation. Montrer à la jeunesse consciente que l'avenir de la nation reposera un jour sur nos épaules, qu'il faut travailler dur et dur, qu'il faut embrasser l'amour du travail, qu'il faut toujours aller de l'avant et avoir de belles perspectives, avoir des buts nobles pour que demain nous puissions prendre la relève, pour que demain nous puissions progresser, nous puissions amener loin le nom de la nation. Et c'est l'objectif, c'est mon combat, mon but noble pour ma patrie. Étant écrivain, je prêche l'amour du livre, je prêche l'amour du livre aux lecteurs afin de les intéresser à la lecture, afin qu'ils puissent devenir les rats de la bibliothèque, de ne pas être accros sur les réseaux sociaux, mais plutôt d'être accros sur les livres, car chaque livre cache un petit secret. Et c'est l'objectif. Merci à vous.